Ça fait plus 17,9 de prestige. Oh putain, j'ai un territoire de Kiev à côté de chez toi. Quoi, qui, où? Aspirant. Oh, la guerre se rapproche. Qu'est-ce que je fous là, moi? Ah ouais. Ça veut dire que mes vassaux vont pas tarder à déclarer la guerre. C'est tenté, mais c'est mort. Il a vu, c'était pas une demande en mariage. Est-ce que je peux le bannir? Non, tu peux pas me bannir. Non, non, je veux bannir un gars que j'ai mis dans mes jaunes, mais... J'ai pas l'air de pouvoir... Ce, selon le cas, c'est bannir ou exécuter. Ça a été vite réglé. Le titre. Putain, mais ils veulent pas, hein. Ils sont tous chercheurs de mort, c'est con. Mon conseil. Acheter des trucs, je pourrais acheter quand même des faveurs, non? C'est où? Ouais, qui veut acheter des faveurs. Ah, s'il me casse trop les pieds, ça va être vite vu. Hein. Il n'y en a pas un. Je vais inviter un noble à la cour. Hein. Attends, on est rendu là, quoi. Ah oh ben, il y a un moment. C'est pour virer des membres de la famille de la cour, ouais. Des membres de la famille. C'est quoi cette hérésie encore? On est d'accord que s'il y a 3 et 3, normalement ça passe, hein? Parce que c'est moi qui choisis à la fin. La seule fois où j'ai testé, j'ai perdu. Approuvé. Ok, maintenant duché de Galitch avec le titre. Allô, j'ai retiré le titre qui était là. Ah merde, j'ai pas retiré le bon titre. Ah non, ça c'est bon ça. Ça fait ballot, ça, même Chambly, si je comprends. Bon, l'autre, il est au fin fond de mes oubliettes, donc déjà, ça va régler des choses, mais... Alors, toi, est-ce que je peux te bannir?
Je peux te, que t'exécuter. On peut pas bannir en tant que hérisson. Ah, mais parce que j'ai peut-être pas le droit à faire des exils, d'accord. Ah, ça va pas dépendre. Non, non, j'ai pas, je crois que j'ai pas le droit de. Ah, pourquoi j'ai la poulique? Non, la poulique a récupéré des terres chez moi, ça, ça fait pas cool ça. Duc d'Apouli, 64 000 balles. C'est pas un ours. ouais, je sais bien, je sais. Oh, l'empire de Capou. Ah oui, et ça se passe pas très bien pour lui. On va accroître le pouvoir du conseil, c'est pas très grave. Ah oui, ça commence à se convertir. Ce serait bien, ouais. Ah, d'un coup, je suis passé à 1500 troupes, dis donc. Le fait de piller les territoires de mes vassaux, j'aime bien. Déclarer la guerre, vassalisation forcée. C'est parti quel duché ça. Ah, ils sont d'accord parce qu'elle a 2500 troupes. Attends, c'est à dire espèce de petit pont, mais. C'est pas très poli ça quand même. Pas trop trop, non. Les bourgmestres qui se convertissent, quoi, à la religion grissonne. Ah oui, d'accord. Aya est devenu duc de Makuri. Fatigué, le jeu. Why I can't get a hope? I need hope, only hope. Give me hope. Je crois qu'ils ont pas envie. Un peu d'espoir, s'il vous plaît. Pas grand chose. Donc j'ai un vassal qui a accepté une vassalisation pour déclarer pour entrer en guerre civile juste après. Oh le bravo. Quand j'allais récupérer son titre. Oh bah je viens de regagner une bataille là, mais avec du renforcement continu, ça a été magnifique. L'autre, elle avait 2500 troupes d'événements, elle est passée à 800 troupes. C'était magnifique, ma chérie. Alors par contre, pourquoi toi t'es là?
Est-ce que je perds ma bataille, ma guerre ou pas? La question se pose. Pourquoi j'ai des armées de chefs? Ah, ça c'était une armée à moi ça. On est en territoire rose, on est encore en quel territoire ici? Ah non, je suis bien en territoire. Les ours se sont reproduits un peu de partout et ont bouffé la culture hérissonne, mais. De la dire que ils nous envahissent, général au secours, voilà quoi. Mais c'est agréable quoi. Révolte du monde là, dis. Si j'ai mes territoires, c'est un plaisir. Je sais pas du tout comment va se terminer cette guerre, si ça va être une guerre indécise ou si je vais juste changer d'objectif et de bataille. J'en sais rien du tout. Ouais, la bataille s'est terminée de façon indécise. Tape-toi ton pas de bol. Ah, j'allais me dire enfin une bonne nouvelle, je vais gagner le roi de Cassion pour attaquer en Égypte. Que dalle, fausse joie, j'ai gagné des points de technologie. Ah, c'est déjà pas si mal. Oui. Pourquoi lui il est indépendant? Ceux qui se battent entre eux, trop bien. Bon, lui, il veut pas héritier du titre de royaume de Ruthénie. Arranger un mariage avec mon fils héritier. Oui. Mais c'est un gars. Il se marie avec ma fille. Ma fille est un génie. D'accord. Et qui peut se marier avec mon fils alors? Non, parce que l'autre, en fait, il a fait le con. Il a perdu sa fille qui est morte de pneumonie. Qu'il aurait pu marier. Ben non. C'est le bordel. La Mutenie fait n'importe quoi. C'est la joie, quoi. Ouais.
Bah tiens, je vais perdre mon chancelier. Ça me dirait pas de me faire une revendication, mec, qui fonctionne. Ah! Ah oui, il y a du monde en face. T'es allié à qui? À 18 ans, t'es allié à tant de personnes que ça, toi? C'est pas un pack défensif? Non, non, c'est bien de... des alliances. Pack scellé grâce au lien de mariage, en fait. Mais... Le pacte défensif, il est surtout sur toi, à ce moment. Certes. Rod, je crois. Je ne prends pas Rod spécifiquement. Je n'ai pas tellement envie d'être surpris. Déclarer la guerre. Revendication de jure. Ça coûte 500 balles? C'est cher ça, non? Bon. Bah, je peux peut-être avoir un truc qui me coûte moins cher, quoi. Ah, certes. 250 balles, vassalisation française. Parce que si je paye revendication de jure, je perds 500 de prestige. Alors, si je fais une vassalisation forcée, je perds que 250 de prestige. Elle a dit qu'il y aurait un... Compliqué. Voilà. Et pendant ce temps-là, j'aimerais bien que l'autre il convertisse les territoires de... Ah, là, attendez, excusez-moi. Je viens d'hériter du Grand-Duché de Galitch, ce qui m'arrange moyennement. Qu'est-ce qu'il s'est fait? Oh non! Comment il s'est débrouillé? Ben, regarde le Dauphiné. Ah oui, j'avais pas vu le... Attendez, j'arrive, je regarde après. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, il s'est fait tributariser par le... par Alger. Voilà. Un chien. Oui, quand même. Quelle honte pour les ours, quand même. Oui. Là, quoi. Hein. Mon sale conseil. Bon, j'envoie, excusez-moi. Hein, ça va être un peu compliqué, mais je vais me démerder. J'ai trop de territoire. Mais pourquoi le... Ah, d'accord. En hibernation, c'est pour ça. Je comprenais pas pourquoi j'avais besoin du conseil pour déclarer une guerre. C'est que c'est une hibernation. Alors c'est quoi la maladie qui sévit là? Consomption, consomption. Elle arrive bientôt la peste noire là? La peste noire, pas avant 1000 et quelques. Là, je perds tous mes conseillers, je sais pas ce qui se passe. Ils meurent tous dans d'atroces souffrances, j'ai rien demandé. Bon, j'ai trop de titres en fait. Cette tribu de Yaroslav, ça fait partie de quel duché ça? Est-ce que j'ai des filtres?
ce là. Il faudrait que j'ai un membre de la famille, mais j'ai pas de membre de la famille de disponible, c'est ça? Non, ils sont tous morts d'anxiété morbide, de mauvaise santé. Putain, mais les hérissons, en fait, n'ont pas de santé du tout, quoi. C'est une galère, en fait. J'arrive, hein, excusez-moi. Pas de soucis, pas de soucis. Ok. Bon, un peu compliqué, mais... Réussir à faire quelque chose, je pense. Oui, il n'y a pas de raison. Mon petit meurt de la fièvre, de la sueur. Que je sois homosexuel, ça va être vraiment pas grave. Mais pourquoi es-tu homo aussi? Qui t'a donné cette idée? C'est drôle sur le moment. Sur le moment. Sur le moment. Ouais, sur le moment, quoi. Bon, je suis quand même en train de nettoyer mes frontières, c'est déjà pas mal. C'est pas toujours gagné, mais... On commence à s'acheter des... What? Mon conseil, quand est-ce que je peux passer à essayer de rechanger les trucs du conseil? 906, encore 2 ans. Ça va être long, ça, cette histoire. J'avais pas dit que je voulais assassiner cet homme-là, moi.
Enfin, cette femme-là, c'est plus précis. Cette Harrison-là. Comment tu sais que c'est une Harrison? J'ai le live à côté. Sinon, je peux pas parler au chat. Besoin de mettre play pour regarder un live quand même. Comment? Besoin de mettre play pour regarder un live. Un chat, pardon. Oui, l'habitude. Puis comme ça, quand Classy me parle de quelque chose, je vois de quoi il parle. À moins que je réussisse à récupérer le duché de Kiev. Elle s'est pris quand même des concubins. Par contre, j'arrive pas à convertir le territoire. Ça, c'est vrai. De convertir les miaphysites, c'est une horreur, quoi. Et il est où, le roi de Multénie? Je vois pas son territoire. Sa femme est enceinte. C'est con, j'ai déjà marié mon fils. Ah non, pas encore. Ouais, présenter les rituels au vaisseau. C'est pas beau ça. Il manque 6 territoires et je peux créer de nouveaux royaumes. Tu veux un deuxième royaume? Bah, pas mal, oui, parce que je peux pas avoir la Multénie tout de suite. Enfin, j'arrive à faire des mariages, ce qui est un peu chiant. Des faux, donc. J'ai un garde pélican qui vient de me bouffer. C'est quoi cette merde? C'est une bonne question. Ok, ton alliance, tu l'as par quoi toi? Mariage entre la chef Esparin. Mon ordre sacré fait quasiment 5000 troupes. Cool ça. Quellement. Bah elle est où là? Ah bah la révolte, pas de bonne, c'était là où je me déplaçais. Vous pensez que parce que mon chancelier même pas, c'est pour ça qu'il la bordel et qu'il tire la gueule ou... C'est possible. Un tout petit peu. Tu veux pas faire la revendication que je lui demande de faire? Oh non, possible. Ça c'est parce que t'es un chat noir. Coupé de hérisson.
Moi, je voudrais bien que la consomption, elle se barre. Bon, bah, elle est bien chez toi. Non. T'as vu que t'as récupéré, grenade? Bah, ça fait longtemps que je l'ai, grenade. Je sais pas. Excuse-moi de pas regarder ton royaume. Pas de soucis, mais c'est gentil de... On sait jamais, hein, ça aurait pu, mais... Ça récupère des territoires bizarres et ça le dit pas aux autres, quoi. Super. Oh, ça fait tellement longtemps que... Peut-être que je l'ai dit à ce moment-là, hein, et que tu as oublié depuis. Tu vas créer l'Empire russe classique. Bah, en fait, l'Empire russe n'existe pas dans cette partie. Les empires qui sont à disponibilité sont l'Empire de Munteni, Vologda. Après, ça, tu peux créer un empire tout fait à partir de trois royaumes. Attends, s'il meurt, il risque de perdre son territoire. Pourquoi ? Avertissement sur la succession. Il risque de quitter le pays. Pourquoi ? Il n'y a pas de raison. Quelle est cette... Cette connerie, comme dirait l'autre. Tout hasard, une connerie? Ah oui, s'il faisait attention, le duché de machin pourrait... pourrait quitter le royaume, mais sauf que enfin, son héritière sert peut-être pas de sa famille, mais Oh, LG s'est reformé. Ah oui. Duc Lancelot Cali. Alors mort, les titres risquent de quitter votre pays, mais je vois pas pourquoi. Mais qui m'emmerde, lui? Je t'emmerde, c'est ça que t'es en train de dire? Oh oui. Vous pillez entre vous encore? Non. Là, c'est un autre. Ah, vous faites la guerre entre vous? Ouais, d'accord. C'est encore mieux. Non. Ah, c'est peut-être pour ça que je peux pas. J'ai pas trop envie de faire une guerre avec juste comme ça quand je fais une guerre civile. Pour changer. C'est sympa, hein, les guerres civiles. Ouais. Par contre, il y a 20 balles, ton gars, donc j'ai envie de dire. Hein. Bon, ça y est, est-ce que je peux lui péter sa gueule, elle, ce petit con? Voilà. Alors, revendiquer Trébizon. Revendiquer Trébizon. Hop, tac, je commence à en avoir marre. Je vais à tous les mercenaires du monde et je vais péter la gueule. Ok, d'accord. Non, bah ça, c'est déjà fait. C'est juste que là, je vais récupérer son duché comme s'il arrêtera de me faire chier à vouloir devenir tributaire. Il est gentil, mais j'ai une limite. Bon, j'aimerais avoir des revendications, s'il vous plaît, là. Tiens, je t'envoie un cadeau. Quelque chose, non? Oh,
revendication pour avancer, pour être plus près de... pour attaquer. Oh, Suakin. Oh, ça m'énerve. Oh, Suakin, c'est pas la bonne idée ce que t'as fait là. Alors, pourquoi je peux pas lui révoquer ses titres à ce qu'on a? Que c'est pas ton vassal? Si, c'est mon vassal. Et il y a des trucs complètement cons. Il doit avoir une raison spéciale de révoquer si nous sommes en période de trêve, mais n'importe quoi. Non, il s'est révolté, c'est pas une raison spéciale. Ben, apparemment. Normalement, ça fait quelqu'un lui de qui a le déshonneur, donc tu dois pouvoir, mais. Voilà. Oh, je les exécutais tous jusqu'au dernier, écoute, à un moment donné. Emprisonné. Exécuté. Emprisonné. Peut-être que je peux lui révoquer un titre maintenant. Oui, voilà. Le duché, très bien. Oh bah, j'ai exécuté son père et son frère, je pense qu'à un moment, il doit sentir que c'est le moment de m'embêter. Et donc il est... Voilà. Comtesse de Nantes. Très bien, petit, t'as tout compris à la vie. Petite était tuée. Sauf qu'on l'a perdu. Qui a pris un moins 50 de base sur un siège, je crois que la tribu en a marre. Je suis pas tout à fait sûr, mais je crois que... Déclarer la guerre, vassalisation forcée. Qui est cet homme? Petit homme. Peut-être le piller d'abord pour lui péter ses 2000... Ça, 1900 troupes, quoi. Attends, il est pas en guerre. 450 d'escorte et 1500 de... Ça fait du monde. Et j'ai 2700 troupes. Ah, oui, c'est bon, il est... Il est ce qu'il faut. Il n'y a personne qui veut l'assassiner, lui. Mais 99,8%, c'est 100%, non? Presque. Elle est enceinte, c'est pas grave si on l'assassine pendant qu'elle est enceinte, ça fait un problème de moins. Non? Là, je te jure. Non, en fait, Jackel, pour les hérissons, les révoltes sont... Dès du moment que t'as un territoire qui a été siégé, t'as beaucoup plus de chances de révolte, t'as 25% de chances de révolte en plus. Et généralement, comme t'as en plus de cette révolte, tu as modificateur de... T'as des modificateurs de récemment assiégés qui viennent, et notamment taille d'élevé, moins 95%, taille de garnison, moins 100%. Donc en fait, il n'y a aucune défense. Et pendant ce laps de temps, et ben, ça fout le bordel. Ça fout bien le bordel. Donc... compliqué pour l'IA de gérer ça.
donner le territoire. Déguisé. Ça, il va essayer de le convertir, ça me plairait bien. Parce que j'arrive pas à convertir les territoires, moi. Moi, je me fais spam de demande de mariage des hordes, c'est normal. Oui, ça... On a quelques-unes de temps en temps. Ça, c'est le pied. J'aime bien ma forme est enceinte, ça, c'est un plaisir. Ah, ça y est, la maladie est partie. Enfin. Est-ce qu'on tient directement la revendication sur Aya ou... Le truc c'est que je peux pas faire la guerre trop loin. En fait, si je m'éloigne trop de mes comtés, j'ai plus de ravitaillement, donc mes troupes périssent et le temps que j'arrive sur site, bah, c'est la merde. C'est un peu chiant. Faut reconnaître que ça aide pas. Ça va, capital, il est plus de fort. C'est ballot, ça. Tout ce que j'ai assiégé vient de te dessiéger. Ah non, je suis plus dans la bonne carte, ok. Merci d'être passé, Jackal. Passe une bonne soirée, une bonne nuit. Bonne nuit, Jackal, à la prochaine. Merci. Bonne nuit, Jackal. Je peux refaire pour essayer de retirer les titres à mes vassaux. Enfin, changer le conseil. J'aime bien faire l'exil. Est-ce qu'on peut révoquer les titres? Que je peux acheter moi ouais mais ce serait pas rentable Ah je viens de donner le titre de Guisé, bien vient de mourir. Par acquis de conscience, je vais acheter un peu plus, comme ça... Et tout ce qui reste, emprisonnement, exil, tout ça, on le fera plus tard, parce que je le sens tellement pas.
sable déjà. Pourquoi pourquoi on a ça, pourquoi il je demandais poliment à des conspirateurs d'arrêter leur connerie. Ouais, elle a quand même accepté. Putain, c'est cool ça. Bon, en attendant, pas de revendication, quoi. Pourtant, il a une chance sur 10, hein. Je suis dégoûté. Messieurs. Oui. Ah, vous êtes endormis, d'accord, ok. Non. J'étais en train de réfléchir. À qui c'était ce Kagan en Espagne? Il a qu'un pauvre comté. Bah, c'est un danseur, donc je pense que c'est un membre de ta famille, mais qui est une maison mineure. Ouais, il a dû partir à l'aventure, et puis... C'est très possible. Parce que des danseurs, comment dire, qu'il y en a un peu dans tous les sens, et que ils sont un ah, peu... Il est où, la carte des dynasties? Ça va, il y en a quelques-uns. Ah, ça fait chier, j'ai le territoire qui... J'arrive à convertir du monde, mais pas à convertir le territoire. Quoi. Tu peux pas lui déclarer la guerre, parce que... Alors un casus belli valide. Oui, mais... Donnez-moi des casus belli valides, je prends, je veux que ça, moi. Je suis un homme à casus belli valide. Elle me demande rien de moins, quoi. Beriaslav, usurpé. De voir qu'il y a deux royaumes, même trois royaumes qui ont le même nom de jure. Non, c'est pas le même, c'est la carte des empires. Ok, alors, ouais, je... on est d'accord, on est tous avec toi, mon cher. Ça, y a pas de problème. En tout soutien, merci. Je sais pas dans quoi vous me soutenez, tu me soutiens, mais... Non, mais on voit que tu fais des progrès en histoire et en géographie sur cette carte. C'est bien. Il y a des lieux saints qui sont tenus par trois ours, là. C'est quoi le bordel, quoi. Strasbourg, Calahorra... Nous, on a un lieu saint qui est tenu par un hérisson. Oui, mais ça, je vois pas pourquoi ça poserait problème, quoi. Enfin, il y a un seul dieu saint tenu par un hérisson, quoi. Excusez-moi du peu, quoi. Quoi ? Sensation forcée. Monsieur, excusez-moi, on s'installe chez vous. Ok, je sais pas pourquoi, je crois qu'il y a des iconoclastes. Je viens de voir ça aussi. Bah, les iconoclastes sont chez les... Pardon. Ils se battent avec les Messaliens et tout ça. Normal. Gluck à Funnel.
Ah bah... Ah d'accord. Non mais c'est chiant là, par contre les hérissons qui meurent tous en dessous de 40 ans, enfin, ça fait partie du charme du truc, mais c'est un peu casse-couille. Je vous avoue. Cacher les bâtiments humains. Négocier. Si lui, s'il fait lui. Il y en a un qui est en train de me piller. Ben non, même pas. Pourquoi que je dirais négocier avec lui? Je vois pas l'intérêt. Oh, j'ai 11 ans. Oh. Et il y a tellement d'ours, on peut se marier qu'avec des ours ici. C'est quoi le bordel? Elle devient ours et tout ira plus facilement pour toi. Hein. Non. Oh, non, non, c'est un peu plus facile. Si, si. Si, on aura déjà un lieu sans de plus. Non, parce que j'ai que des ducs, moi, donc ça me foutra le bordel. Donc non, y a rien de cool là-dedans. Oh là 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 là. Tout de suite, t'as vu ça, ce mur? Ouais. Ah non, mais... Il est pas sympa. Ah non, mais là... Qui est très bizarre quoi, pour un méga, ça fait envie. Hein, mais... Oula. Oula. 1500 troupes là, je sais pas d'où qu'elles sortent, qui viennent de m'attaquer. Ah. Ah mais d'accord, elles viennent lever des mercenaires. Je dois réclamer l'indépendance. Ah, je la crash. Ah. Ah. Vous... Bah, je crois qu'on va finir la session du coup. Ouais, on va finir la session ici parce que ça commence à devenir un peu compliqué. Bon, bah si on fait un peu le bilan de... Attends, je vais sauvegarder avant que ça pose de problèmes. Si on fait un peu le bilan de cette partie, bon bah l'empire de juste comme ça s'est effondré. Oui, mais c'est pas grave ça. Partagé, parce que le royaume, lui, le royaume s'est pas effondré lui. Ah, oui, c'est, bah, ça, c'est toi qui as fait une carte dissolution. Écoute. C'était pas une guerre. C'était pas une guerre de dissolution en elle-même, non, c'était de récupération d'un comté, mais ça a créé la dissolution de l'Empire puisqu'il avait plus de territoire. Ouais, ça... On a eu bon, bah, plusieurs royaumes ours qui sont devenus indépendants. On a aussi une belle Venise. Le grand-mère de Venise, là, qui. Venise, on dit bien. Ouais, Venise se tient bien, ouais. Ils sont plutôt pas mal. À voir après, oui, c'est pas mal tenu par les familles quand même. Donc ça peut faire des choses bizarres au niveau de la Méditerranée, ça c'est certain. Moi je suis en route pour essayer d'aller récupérer Aya, mais faut que les revendications tombent. Pour l'instant on en a eu deux, c'est déjà pas mal. Ça peut prendre encore plus de temps que ce que ça n'a pris jusqu'à présent. Ce qui est pas si simple que ça. Du côté de la Hongrie, ben si, il y a eu quand même une progression du côté de la Norvège et de la Suède. Belle progression d'ailleurs. Un peu de progression aussi du côté de la Belgique, je vois. Belgique et Pays-Bas, oui. Avec ouais, Gueldre notamment, Brabant. C'est bien dans le nord de l'Allemagne et jusqu'à la Belgique. Ouais, il est sur le royaume de Brabant actuellement. Pas si peu mal. On a quand même quelques... Royaume soupape, on va dire, entre les grandes puissances, avec le royaume de Franconie, le royaume de Souabe. Bon, moi j'ai eu quelques problèmes avec la Munténie qui a pas totalement voulu. Des enfants à voir, c'est pour ça.
Oh, attends, arranger les fiançailles. Ah merde, bah je faudrait que j'y pense la prochaine fois. Est-ce que je pourrais me marier à la princesse, à la sœur du roi de Munteni. Faudrait que j'y pense la prochaine fois. Mais bon, voilà, il y a des choses à faire. La partie est loin d'être terminée. Parce que pour l'instant, bah, moi, en fait, je peux pas développer d'armée. C'est un peu chiant pour moi, mais ça fait partie du jeu. Il faut absolument ce comté qui est perdu au milieu du désert africain. Et puis, on verra un peu ce qui se passera aussi pour les autres. Parce qu'il y a pas mal à faire. Ah, mais t'as récupéré en plus l'Islande, mon cher Aspiro. Ah oui, tu viens de le faire. Ah, en même temps, pour intégrer l'équivalent du royaume de Norvège dans mon empire, j'étais obligé. Ah, ils ont quasiment repris, ouais, pour le Sealand, ils ont quasiment repris enfin... Ouais, le Vechtandlet, ils ont quasiment repris le royaume de Norvège, ok. Bon, Il n'y a juste pas bah... les îles Canaries. Les îles Canaries, non, ça m'étonnerait, mais les îles Féroé, plutôt. Oui, plutôt. Mais bon, on est pas mal. Allez, on va se laisser là pour ce live, j'espère en tout cas qu'il vous a plu. Merci à vous, pour ceux qui sont présents. Sur le live pour votre présence et votre participation. Merci également à ceux qui regardent les rediffusions. On se retrouve donc très prochainement pour de nouveaux lives et de nouvelles aventures. D'ici là, portez-vous bien. Salut! Salut! Salut!